Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de notre série d'Exile avec le roi Turol de Normandie, roi de France, de Normandie, d'Angleterre, de Badajoz, de Bretagne et de Valence. Alors, j'avais commencé à tourner parce qu'on était au mois de juillet. Donc là je reprends de la sauvegarde auto du 1er janvier. Je vous remontre pas ce qui s'est passé, vous allez très vite comprendre, je vais très vite vous le résumer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Ils sont en train de me piller eux, tiens. Alors, j'ai fait énormément de changements, j'ai contrôlé un petit peu mes comtés, mes vassaux directs, en fait, je suis allé ici. Je vais juste regarder ça, oui, donc notre sœur est allemande, enfin bohémienne, pardon, très bien. J'ai recontrôlé tous mes vassaux directs ici, et en fait je me suis rendu compte que j'avais des... j'avais des barons, des machins que j'avais pas à avoir, donc je les ai rendus. Mais c'est pas tout, je me suis rendu compte que l'Anjou par exemple est un comté. Il existe le duché d'Anjou, sauf que le duché d'Anjou appartient à ce monsieur, ici là, tout seul, qui est maintenant en Irlande. Et il n'a plus... Je jure c'est ça, mais aujourd'hui le duché d'Anjou c'est juste un titre, il n'a plus rien. Donc en fait, si j'arrivais à récupérer son titre, pour le moment il est en guerre, donc je ne peux pas l'usurper. Mais dès que je pourrais l'usurper le titre, je le redonne à quelqu'un de mes comtes ici. Parce qu'il a pas, il a rien à faire avec. Et du coup, je pense que ça va m'enlever pas mal de vassaux directs, déjà. Après, c'est basé aussi sur la base en compétences diplomatie du dirigeant. Comme là, je suis régent, c'est lui. Sauf que de base, il a que 3. Donc voilà, c'est pas terrible. Et après, les lois, mais les lois, je peux pas y faire grand-chose. Alors... Il y a un petit changement, c'est que la rébellion qui est ici a blobé, elle est passée à 25 000, du coup j'ai abandonné, c'est pas grave. De toute façon, si je perds ce territoire-là, ce sera pas plus mal, hein, parce que c'est un peu le bordel, c'est très dur à gérer, c'est très compliqué comme partie. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt de récupérer tout ça, déjà. Donc voilà, ça m'a pas fait changer grand-chose, mais déjà, il y a ça qui a changé. Donc j'ai eu d'autres événements, parce qu'il y a des factions qui vont s'activer, comme par exemple, le pouvoir accru va s'activer dans pas longtemps. Alors attendez, je vais regarder ce qu'on pourrait faire pour ça. Parce que celle, en fait, moi j'ai ça qui s'est activé, j'ai accepté sur oui. Et dans la foulée, j'ai celle-là qui est arrivée. Et j'ai appuyé sur oui au lieu d'appuyer sur je suis pas d'accord, je veux me battre. Ce qui fait que ça a donné toute l'Angleterre quoi. Alors ouais, mais non. Même si je pourrais le reprendre dans un deuxième temps, hein, peut-être. Mais au moins me battre pour essayer de le récupérer. Après, si ça marche pas, on verra. Mais j'aurais bien aimé au moins essayer quoi. Pourrait donner des artefacts, tiens c'est pas con ça pour être mieux apprécié. C'est pas con ça, parce que je dois en avoir tellement des trésors qui me servent à rien. Prenons un exemple, le sceptre d'Embrodie. Bien, le sceptre de rubis est moins bien. Tiens, c'est intéressant ça. Donner un artefact, si on lui donne le sceptre de rubis. Nous avons un plus 30, on va lui donner. Je sais pas si ça va suffire, hein, clairement, mais... où est-ce qu'il est, lui? Hop. Pour qu'il arrête sa faction, ce serait cool. Allez, hop. On va tout tenter. On va tout tenter pour que ça marche. Voilà. Sinon, j'ai pris mon escorte également. Alors, l'escorte... J'ai toutes les escortes, hein, de France, etc. J'ai gardé que mes cavaleries. Et j'ai viré tout le reste, c'était très mélangé. Donc là, voilà, je suis au maximum de ce que je peux faire pour le moment en termes d'escorte cavalerie. C'est déjà pas mal, hein, ça fait une belle escorte. Donc voilà, là j'ai des pillards, je vais peut-être aller m'en occuper. Et on est reparti. Alors j'avais fait une chose, je pense que ça s'est pas sauvegardé. Voilà, je veux dégager toutes les personnes qui sont pas de mon truc, qui sont pas de mon titre ni rien. Bref, voilà. Donc, elle va aller là-bas. J'en veux pas. Elle va aller épouser qui elle veut, mais loin de chez moi. Surtout. Hop. Ou non, carrément, je m'embête même pas. Hop, quitte ma cour. Voilà pour les gens de l'autre religion. Je vais également prendre les gens de l'autre culture et de ma religion. Genre bohémienne. Bon, lui, j'avais dit que je le gardais parce que, pour le moment, c'est mon... Oh, puisque je vais vraiment le garder. J'ai peut-être mieux en chapelain, non? Ouais, alors j'ai mieux, mais après, qui m'aime pas tous quoi. Prince de Venise, Télévreux, ouais. Ouais, alors il y a lui, mais bon, il est négatif. Alors j'ai pas envie de prendre des gens non plus, parce que là, mon conseil, j'ai personne qui me déteste.
Donc non, je vais quand même le garder, lui. Par contre, elle, elle va aller se marier ailleurs, hein, parce que j'en ai rien à foutre. Je veux pas de bohémienne chez moi, ça faisait le bordel. Elle, elle quitte ma cour, parce que j'en ai rien à foutre, c'est une Allemande. Lui, il est dans mes prisons. Est-ce que je peux le bannir ? Je peux pas m'opposer à la décision du conseil. Et ben, on va le rançonner, hein. Voilà, pas de raison. Je sais pas qui c'est. On va le libérer. Allez hop. On va pas se prendre trop la tête. Dépendance, ouais, pouvoir accru. Bref, j'ai envie d'envoyer des cadeaux, mais c'est dur hein, quand même hein, d'envoyer des cadeaux à tout le monde. Je suis pauvre, hein. Je suis assez pauvre. Voilà, elle sait ma soeur est allemande, donc lui, ouais, on a dit que c'était bon. Français, français, français. Alors oui, j'avais fait ma religion, ma culture, joindre cours, oui. Et je voulais inviter tous les Normands. Alors, désolé, je leur fais vite fait. Et là, je ferai attention à pas recliquer comme un idiot. Ouais, je regarde pas trop si ils sont bons ou pas, mais j'ai besoin de joindre ma cour, de toute façon, donc... Je prends, c'est pas grave. Et c'est reparti. Alors, il a accepté. C'est très très bien. Est-ce que du coup, pour autant, ouais, il est à 30. Il suffirait que mon... Voilà, lui c'est bien. Ouais, voilà. Elle, pour le conseil, pour le pouvoir accru du conseil, je vais pas dire non. Le pouvoir du conseil va augmenter. Voilà, pour les emprisonnements et les révocations de titres. Ça, ça fait un peu chier, mais bon. Voilà, au moins ça va calmer un petit peu, parce que, vous voyez, bon, ça va se calmer un peu. Et merde, et lui, voilà, il se réveille. Par contre, là, je suis pas chaud, quoi. Par contre, il y a du monde, hein. Ils sont nombreux, mais je vais dire, on ne me fera pas chanter. Tant pis, j'aurais tout essayé, hein. Je vais doucement pour les events hein, parce que je voudrais pas faire de bêtises. Ok, donc là, clairement celle-là, je peux pas la laisser passer. Ah, on est redescendu en nombre de vassaux, du coup ça nous libère des troupes tout ça. C'était pas le bon plan pour eux hein. Hop hop hop, alors là ça va être chaud pour eux. On va tout de suite se jeter là, avec tous ces gens là. Allez, tous ici. Tout ça on ferme. Parce que ce... non, c'est bon. Eux, on remonte. Eux, non. Eux, on se regroupe. Et on va bien voir. Ils ont quasiment pas de morale, là c'était le moment de leur tomber dessus. Hein. Ah ouais, par contre là il y a du monde. Ouais ouais, là j'ai peut-être fait une connerie. Il faut qu'on gagne la bataille et vite qu'on fuit. Bon, ils ne viennent pas dessus, ça c'est parfait. Ou plutôt si ils viennent mais trop tard. Alors, vous savez quoi? Hop! Y a pas de souci. On va faire le siège qui est là et après on va aller débarquer en Angleterre et récupérer ce qui est à nous. Pas de soucis. Et du coup, vous voyez, voilà, ça a calmé un peu les factions là. Donc finalement, c'est très bien comme ça. Alors, on peut investir dans pas mal de choses. On va investir dans, dans l'organisation militaire. On va investir dans les pratiques commerciales. Ouais, les donjons améliorés. On va prendre les donjons améliorés et les coutumes des nobles. On va prendre les coutumes nobles.
les choses vont peut-être commencer à se tasser un petit peu pour notre bon roi. Alors les vassaux, c'est pareil, on va les récupérer, hein. Faut pas se leurrer, hein. La guerre civile actuelle incite aussi bien des loups vétérans que divers aventuriers à se rendre à camp et s'y rassembler. Oh, c'est cool ça. Enfin un épisode, un événement en notre faveur. On va pas cracher dessus. Bon, là on a une belle armée. Hein. Hop là! Ça c'est de l'armée. On froid et païen. Ok, on va leur tomber dessus. On va voir, très mal. La croisade est lancée. Bon, bah oui, je sais, j'y participe pas, mais ça me fait chier. Mais bon, j'espère que là on va les. Ça va tous tuer. On va aller là-bas, tant qu'à faire. On va s'occuper d'eux. Pendant que là ça se regroupe plus ou moins, mais on est quand même bien plus puissant. Alors par contre il va me falloir beaucoup de bateaux. Énormément de bateaux même. Ça va coûter cher. Ouf, 138 bateaux ici. Ouais, ça se voit que j'ai vraiment pas développé les bateaux chez moi. Enfin, les ports, on va dire plutôt. Donc, le plus gros se fera en Angleterre et c'est parfait. Bon, on va perdre un ou deux sièges, mais faut pas tout avoir. Hein. Je peux créer le royaume d'Aquitaine, le duché d'Auvergne, le duché de Bourbon, le duché. D'accord, on peut créer des titres. Parfait, c'est bon à savoir. Bon, lui il est toujours en guerre, j'imagine, le duc d'Anjou. Oui, et puis moi aussi. Voilà, ça là on les a massacrés. Ici on peut embarquer. On va aller débarquer là-bas. On va leur tomber dessus. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir que ça s'est un peu calmé. Allez, hein. Ok, on arrive mon gars, pas de soucis. On va améliorer les relations avec lui, hein. Ça sert à rien de les améliorer avec l'autre qui nous a trahi. Juste le temps que le moral remonte un petit peu. Détruit tous les bateaux. Alors, on va faire un petit coup de unité équilibrée quand même, hein, parce que là... Allez, on est parti. Pas de raison, même avec le malus on va... Je pense qu'ils vont pas pouvoir faire grand chose, on est beaucoup 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 trop nombreux. Et c'est tant mieux comme ça. Voilà, c'est mieux ça. Bon, je vais les poursuivre, hein. Non seulement je vais les poursuivre et puis je vais aller plus loin que ça, c'est que... Je vais aller faire le siège de leur capitale. Donc c'est là qu'ils vont, je pense, hein. Mais cette bataille va se gagner, on va la gagner sans problème. Enfin, cette guerre même, parce que c'est plus une bataille, c'est une guerre. Ouais, j'en étais sûr. C'est parti. Voilà, on va faire le siège de leur espèce de capitale là. On va donner l'assaut hein, parce qu'on est tellement nombreux que voilà, on va pas s'emmerder. Puis on va continuer à en faire d'autres. Hein. Oh non, tiens, on va aller leur tomber dessus. Pas cool pour eux ça, se faire écraser. Hein. 100%, voilà. Révoquer son titre, bon, on va pas se priver, hein.
Alors, le duché de Cumbrie, c'est tout ça. Sauf qu'elle appartient au duc de Bretagne, c'est vrai qu'elle a les deux, elle. Demandez le partage salique. Ah bah non, elle est devenue normande maintenant, c'est bien. Voilà, je le paye pour récupérer du partage salique. Nouvelle d'une épidémie, l'existence d'une épidémie dans le protectorat. La formation est vague, mais on dit que des gens courent comme des mouches et la peur se répand. Ça sent la fille, c'est la peste noire ça. Est-ce que du coup, maintenant que ça c'est bon... ouais, par contre elle a eu qu'un fils, donc il va quand même tout récupérer. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant parce que... Ça aurait été bien que ça se sépare à cet endroit-là. Mais bon, je peux pas, lui révoquer son titre, hein, clairement. Bah, le duché, je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Voilà. Clairement, je ne sais pas quoi en faire. Parce que eux... On va attendre un petit peu. Parce que lui, là, est-ce qu'il a des enfants ? Il a au moins un fils. Quand il en aura deux, on verra. Pour moi, je vais le garder. Donc, on peut enlever les troupes. Hein. Bah oui, tout à fait. On peut enlever les troupes. Hein. Bateau. Les factions, ouais, ça se calme bien. Ça y est, c'est vraiment en train de se calmer. Ça a été dur, mais... Mais on s'en sort très bien. Hop, vous revenez à Caen. La menace continue de descendre tout doucement. Le duc de Lancastre, on pourrait l'emprisonner, mais on ne va pas le faire. La duchesse de Baja, non plus. Déjà, on a très très peu de chances d'y arriver parce qu'ils sont loin de chez nous. Et puis voilà, j'ai mieux à faire, hein, franchement. Donc on n'a pas de physicien. Physicien. On va plutôt en embaucher. Hein. On va prendre l'événement pour embaucher un physicien. Le duc a déclenché la guerre d'excommunication contre le comte Sewall le chasseur. Bah écoutez, ouais, s'il veut le déchoir, moi ça me va très bien. Peu de temps après avoir annoncé être à la recherche d'un physicien. Non, je veux pas de gens comme ça à ma cour, c'est bon. Ouais, vous voyez, mais je mets trop en chuté hein, par contre, hein, parce que j'ai encore trop de vassaux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer en faible ? Pas changer les lois avant 2071 et en plus au cours d'une régence. Alors j'ai aidé on va mener un caractère espiègle, on va le faire, on va quand même prendre hein. Ouais, succession par partage salique en Valence. Je voudrais bien je vais peut-être lui donner un artefact à lui, qui me sert à rien. Une épée en or, tiens, cadeau. Ça peut t'arrêter un peu dans la faction, moi je prends. Ouais, je me dis que là, peut-être il va quitter, non ? J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien que la croisade termine après, comme ça lui il est plus en guerre et je vais pouvoir lui usurper son titre. Alors oui, la maladie du coup. Peste noire. Ouais, ça y est, la peste noire a démarré. Alors elle est loin. Hein. Par
par contre, ouais, bah, elle va arriver très très vite aussi. Là, ça va être très 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 violent. J'ai vraiment peur pour mon perso. Hein. Oh, pff, on casse les couilles. On me fera pas chanter. Allez. Il a déclenché la rébellion. Ouais, mais ça me c'est marrant, ça me donne des troupes qu'il fasse ça en fait. C'est assez drôle. Y'a qui est dans la guerre là? Ouais, mais regardez si je fais ça. Poum, ça fait du monde hein. Donc, tout ce petit monde là va se regrouper là. Tout ce petit monde là va se regrouper là. Tout ce petit monde là va se regrouper là. Tout ce petit monde là va se regrouper par là. Non. Là. 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 Ah, c'est infranchissable là. Voilà. On va faire ça comme ça. Je pense que c'était la dernière faction en cours. Hein. Non, maintenant il y en a encore une autre. Venons vers le prédécesseur. Bah ouais, je sais bien mon gars, mais... faut ce qu'il faut, hein. Allez, essaie d'améliorer les rapports avec lui, s'il te plaît. Gisèle, votre sœur. C'est ma sœur, elle. Voilà, parfait. Là, je me suis fait intercepter, j'ai pas vu. Ouais, ouais, non, c'est une mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Stop. On range tout le monde. Même eux. C'est bon. On prend les bateaux qui étaient là et là, je crois. Ceux de Caen, ceux de Mortain, ceux d'Evreux, ceux de Rouen. On prend tout ce petit monde là. On vient là. Peut-être pour repasser en vitesse 4 quand même. Que débarque et le cadenas. Voilà. Ici tout va bien. On va faire ça, c'est plus simple. Voilà, terminé, on n'en parle plus. On débarque à Suzex. Là c'est pareil, on va gagner facilement. Après, j'attends. Voilà, nouveau régent donc. Est-ce qu'on a mieux? Ouais, c'est un peu mieux, non? 5 en base, ouais, on peut avoir un peu plus de vassaux, effectivement, c'est un peu mieux. Meilleur régent, ouais. Bonus défensif. Ah ouais, bah ça. Tant pis, hein, on va tester. Hein. Ça n'est pas passé. Ça devrait passer. Hein. Tu
Si, ça va passer. Même avec des renforts, ça va passer. Petite sauvegarde automatique. On met pause. Ici, on va déclencher des assauts parce que ça va plus vite. Puis ça va passer, hein. Et voilà. On va révoquer son titre. Alors, pareil, j'en profite pour regarder le duché de Gloucester. Aujourd'hui c'est ça, de jour c'est ça. Par contre, je peux pas lui révoquer ça. Ah bah si, parfait. Quel ça? Alors, de jure c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Ok. Non, je suis pas. On va pas faire ça. Et toi, t'es le duc de ça. Ah ouais, encore un qui est bien quoi. Je peux pas demander le partage salique. Bon, il n'empêche que, de jure, c'est le duché de Gloucester. Et le duché de Gloucester, il est à qui? Il est à moi. Ça non, ça non. Et ben, on va le donner à quelqu'un, tout ça. Tiens, allez hop. Qui c'est qu'on a à la cour qui est normand, par exemple? Tous les gens qu'on a invités, on doit bien voir ça. 26 ans, là, toi. De machin, et derrière je te nomme. Voilà, on n'en parle plus, on ferme. La sainte a trépassé, bah, c'est celle qui s'occupait de moi je crois, non? Elle est devenue sainte, bah, c'est très bien. Ferme ici. On a toujours le même problème, bien évidemment, mais bon, lui il est toujours en guerre, voilà. Ouais, c'est casse-pied ça. Ouais, c'est toujours mon état tributaire, lui, ouais. Alors, s'ils peuvent se marier, oui, vas-y, je m'en fiche, on descend vitesse 3. On a quoi entre... Ouf, ouais, on en a quand même un peu plus là. Allez, on referme. On rentre là-dedans, on vient à camp. Oh, les choses commencent à rentrer dans l'ordre, ça fait un peu plaisir. Notre sœur Yolanda. Bon, elle est pas mal dans pas mal de trucs, on va la mettre. On va la mettre là-dedans, la vérité politique. Voilà, il a amélioré les relations avec lui, c'est bien, faut continuer maintenant. Un peu d'argent ça aide aussi. Le duc d'Hampshire que j'ai fait enfermer se plaint de sa cellule. Ah, j'ai toi là aussi, je peux te révoquer ton titre. Parfait. Qu'il propice. Alors, voyons voir, parce que toi du coup, comte de Winchester, et t'étais duc de tout ça. Ouais, bon, je te le donne à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Oh, lui même pas, clairement. Forte ambition. On va pas le donner à lui, et on va le donner à... Bah, on va peut-être le donner à lui, mais bon, il va pas nous aimer non plus. Bah, il convoite le duché, donc si je lui donne, il va être content. Il est super content, le gars. Et puis, on en parle plus.
Oh, pas se prendre la tête, hein. Fermez les portes. Non, pas bon, maintenant. On va organiser un banquet. On va faire du monde, hein. Ah, oui, je voulais regarder, du coup... est-ce qu'on peut faire une... on peut améliorer l'escorte? Oui, tout à fait. Donc on va le faire. Quand j'ai ouvert les portes, j'ai vu personne, mais comme je préfère... toujours la même chose, on prend... Blablabla, on dépense sans compter. Une sainte à trépasser. On a eu tout. Bon, alors là, il va y avoir du message. Hein. Laissez-moi vous dire que. Je vais mettre les mêmes pieds. Oh, peut-être pas tant que ça. Bon, on est plutôt épargné, mais ça va changer. Hein. Bourgmestre à égorger mes serviteurs. On peut devenir sens de la justice. C'est bien ça. Oh, on peut devenir partial. Non, on va prendre sens de la justice. Comme ça, ça on l'a. Déjà. Ouais, alors c'est vrai que j'ai toujours personne moi qui me mariait, mais. C'est elle est déjà fiancée au roi de Thrace, d'accord. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Pourquoi c'est elle l'héritière? C'est comment le truc chez eux? C'est au vote? Primogéniture. Ah, primogéniture, c'est pas elle, c'est plutôt elle, non? Ouais, c'est... je comprends pas trop le délire. Hein. Bref, donc avec elle, il n'y aura pas de mariage. De fille, sa fille. Lui, il n'a pas de fille. Non. Lui, éventuellement, oui. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il hérite. Quand lui a 18 ans, il y a peu de chances que lui hérite. Il aura un enfant avant. Lui, non. Norvège, c'est compliqué. Hein. Si, elle, la princesse de Norvège... Oui, il veut pas. À cause des intérêts politiques. La menace continue de descendre. Les derniers invités viennent de partir. Les invités ont poussé le banquet. Bon, bah c'est bien. Voilà, on est bien là. Monseigneur, je pense que Lanfranco d'Andalo ferait un excellent commandant militaire. Tout à fait. C'était mon commandant d'ailleurs. Bon, faut pas que notre enfant meure. Hein. Bien sûr que s'il meurt, on perdrait pas mal de choses. Hein. C'est marrant d'ailleurs, pourquoi on perdrait tout ça? Primogéniture agnatique. Ah ouais, il faudrait que je passe les deux en fait. Ok, à ce moment-là, on pourrait passer ça, effectivement. Le royaume d'Angleterre, c'est bon. Et tous les autres royaumes en fait que j'ai récupérés, je les perdrais parce qu'il n'y a pas d'agnatico-cognatique. Ouais, il faut régler ça. As soon as possible. C'est vrai que je peux créer des choses aussi, tiens. Je peux créer le royaume d'Aquitaine. J'ai pas l'argent pour. Je peux créer le duché d'Auvergne, le duché de Bourbon, le duché d'Ulette. Ah oui, parce qu'actuellement c'est des vassaux sous moi, ça. Ah non, mais c'est... Oh, c'est encore un bordel, tiens. Des gens qui ont tout ça alors qu'ils devraient pas l'avoir. Ouais. Ça, c'est pareil, j'imagine, hein. Ouais, c'est encore des gens qui possèdent tout, quoi. Alors pourquoi d'ailleurs, tiens, lui? Il appartient à... Ouais, je comprends pas trop ça. Le duché d'Auvergne. Ouais, franchement, je comprends pas pourquoi cette personne-là est sous elle. Duc d'Aquitaine. Duc d'Aquitaine... Jure, c'est ça, là c'est ça, ok. Et le duché de Flandre, alors deux jures, c'est ça. Et là c'est ça. Faut
pourra lui soustraire des vassaux, mais bon, ils vont refuser, hein, de toute façon. Je vais prendre par exemple la comtesse d'Angoulême. Pour commencer, bah non, il voudra pas. Son pouvoir, bah oui. Tout le problème. Hein. Fin ça à trépasser. Je vais demander de faire le patache salique à lui ou pas, c'est peut-être déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas, ok. Chute Aquitaine, c'est déjà du patache salique aussi. Alors, bah, faudrait que j'améliore les relations avec lui, c'est un vassal puissant. Et bon, je peux pas le prendre comme chapelain. On a tendance. Ouais, mais non. Non, j'ai des gens qui m'aiment beaucoup. Franchement, on va éviter de faire des gros changements. Par contre, on va essayer d'améliorer les relations avec lui. Allez, c'est parti. Pas frappé à la bonne porte. Perdu un seul homme. 18 hommes, ah oui, effectivement. Allez, casse-toi. Ça recommence, on a trop de vassaux. Le régent passé à plus 1. Ouais, je comprends pas ça. Bref, qu'on devienne adulte et puis c'est tout quoi. Hein. Ah, c'est lui là, j'aimerais vraiment pouvoir récupérer son titre, mais il est en guerre tout le temps, c'est chiant. Le duc de Lancastre, ça se plaint de sa cellule. Tiens, c'est vrai que toi aussi je pourrais te révoquer ton titre. Enfin, il va falloir que je regarde un peu tout le monde, hein, parce que. Il est quoi lui, les comtes de Chester? Je suis désolé, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, mais. De jure, il y a ça. Ok, qui est comte là? Ah, mais t'es aussi comte de Léon, quoi, pour... compliqué. Ah, tous ces gens qui ont des doubles trucs, là. Ligne de succession, c'est du partage salique. Mais là, c'est pareil, quoi, c'est... C'est lui qui va récupérer tout, bah oui. Le duché de Lancastre, on va pas le donner à lui, donc on peut le donner qu'à lui. Allez hop, duché de Lancastre, tiens, un cadeau. Si tu veux, toi, ouais, vas-y, ta life, m'en fiche. J'aurais pu envoyer de l'or aussi à lui, non, je peux pas. Directives praticelles sont présents à Carcassonne. Ouais, bah, on verra plus tard. On verra plus tard tout ça. Peste s'approche. Oh oh. Ah, c'est risqué, hein. Putain, faudrait pas perdre notre perso maintenant. J'ai pas envie qu'on soit tendre. Wow, wow, wow. Oh là, ça va décimer du monde, ça, la peste. Je me souviens que quand ça arrive, en général, il y a du mort. Hein. Le très détente se passe dans le comté de Suzac. Tout a commencé par un paysan dansant dans les rues, puis peu de temps après, c'était des dizaines, après, sont des centaines, des hommes ainsi que des femmes et des enfants. Les musiciens jouent des archers toute la journée et toute la nuit, les paysans n'ont presque plus de temps pour manger ou dormir. Les gens commencent à s'effondrer par épuisement. Il semble que la danse propasse à un rythme alarmant avec des groupes de personnes ensemble qui partent vers d'autres pays. Oh, les rumeurs, quoi. Le duc de Lantin a tenté de me faire assassiner afin que je ne dévoile pas au grand jour son.
ça existe vraiment ça? L'épidémie d'enceinte, la danse de Saint-Guy se répand rapidement parmi la population. L'affection est peut-être causée par un empoisonnement à l'ergot. Oh la vache. Je pensais que c'était une blague, moi en plus. Bon, on a une rivalité avec le. En plus, on est enfant, quoi. C'est vraiment pas de bol, hein. Vraiment tout contre nous, hein. Tiens, on devrait pouvoir Calicropis déjà. Et tiens, c'est toi qui as ça là. Hop, je vais rester comtesse du Perche, mais ça, non. Un peu la tête pour rien avec toute cette micro-gestion. Hein. Alors, Warwick. Warwick. Je le donne à quelqu'un. Je transfère son vassalage. Voilà. Toujours gagner un vassal. Mais ça se trouve j'ai tellement de monde dans mes prisons que en fait c'est bon, déjà je suis perdu. C'est de Winchester. Il n'y a pas de problème. Comté de Chester, lui non, c'est bon, il est bien. Bien dans le duché de Lancastre. Ouais. Donc non c'est bon, j'ai fait le tour. Ah si, j'ai encore la duchesse de York. On peut pas. Très bien. Je peux pas la bannir. Pas l'exécuter. Voilà, j'étais aux oubliettes. Le duc de Mercy. Peut-être le duc de Mercy. Le duc de Cordoue. Ouais, ok. Et des comtes de Mercy. Ça me change rien. Après c'est des bourgmestres, la comtesse du Perche, la duchesse de Majorque. Tiens, je peux pas te le révoquer ton titre toi parce que tu m'avais bien gonflé. Après tout, c'est pareil, elle est comtesse de Minorque. Oh quel croupisse en prison, je m'en fiche. Les trucs où je peux pas récupérer et transférer, ça m'intéresse pas trop en fait. Est une menace, ça descend. Merde, la peste. Une cérémonie couronnante, c'est trop tôt. Un banquet. Comme ça, on va le bannir, comme ça, on récupère des choses. Quel croupisse en prison, comme tous. Bah, c'est violent. Hein. Ah, c'est la peste noire, quoi. J'espère qu'on va pas crever comme des cons. Je suis à combien de temps de tournage avec tout ça? 45 minutes. L'épisode sera un peu plus long, hein, mais je vais essayer de. Celui-là, je vais dépasser un petit peu les. Parce que j'avais commencé à me refixer, mais bon. Voilà, c'est toujours dans une guerre, c'est chiant. Je vais vraiment lui usurper son titre à lui.
toujours pas trouvé de physicien là. Parce que là, ce serait vraiment le temps en fait. Hein. On va prendre lui, tant pis. Hein. Les titres, tiens, ce serait pas bête ça. Dites donc, on est mieux aimé hein, déjà. Tiens, nettoie ça. Toi ça. Ça. Commandant, voilà. Notre régent qui est mort. Bah merde. Quelqu'un de notre famille en plus. Mort de quoi ? La dysenterie. Ouais. Bon, bah on a une nouvelle place pour un intendant, et bah on va prendre lui. Hein. Alors, on va pas tarder de devoir tout fermer. Hein. Et j'espère qu'on va y survivre. La peste ravage la Perse. C'est vraiment le dernier moment là, mais ça y est, il est temps. J'espère qu'on va survivre à ça. Je peux même pas prendre, diriger, m'en aller. La peste ravage le Moyen-Orient. Puis là, ça va tomber comme des mouches. Si on perd aussi, si on meurt aussi, ben on va perdre beaucoup de royaumes. Bah voilà, en régence je peux pas voter, fait chier. Ah, quelques années près, hein, franchement ça fait chier. Hein. Faudrait que je continue à faire des améliorations de mon hôpital, j'aurais dû faire ça, bordel. J'ai pas assez de sous pour faire la grande maison de malade. Fois, putain, 1350. De toute façon, je peux pas. On a au moins fait le maximum de trucs possibles. J'avais un peu prévu le truc. Hein. Mais bon. En tout cas, c'est pas le moment que lui me déclenche une indépendance, quoi. Parce que. J'aurais dû l'inviter à ma. En tant qu'intendant. Peut-être faire ça d'ailleurs, je vais changer, tant pis. Percevoir l'impôt, tiens. Ah ouais, non, comme ça il arrête. Ouais, ouais, voilà, on va prendre de risques. La peste ravage l'Asie mineure. Bah ouais, non, mais de toute façon, la peste ravage tout, hein. Peste noire. C'est très métal, hein. Ouais, voilà, voilà, c'est. Catastrophe. Ouais, ouais, vas-y, marie-toi, je m'en fous. Elle te fait un complot, non, elle veut pas. Revendiquer le royaume d'Angleterre. Arrête tes conneries, toi. Putain, je t'ordonne un vassal et tout, et tu me remercies comme ça. Va chier. Apparemment, ce serait pas forcément très bon en martial. On me recommande plutôt de partir sur l'espièglerie et l'intrigue. Ah, la diplomatie, on a zéro quoi. Mon temps vient en conclusion avec nos. Ah, faut que je parte sur la diplomatie malgré tout. C'est une erreur, je pense, mais tant pis.
non, parce que là, c'est une catastrophe. Pour les vassaux, ça va être compliqué à gérer. Hein. Bah, bon, voilà, l'autre il est mort. Ça va être que ça. Hein. Je sais pas si on va survivre. Je sais que je me répète, mais tout est là. Hein. Faire des guerres et autres, c'est le bordel. Tant que la croisade finira pas en plus. Oh, elle a dû tellement décimer tout le monde, la croisade un peu aussi. On a hérité du duché de Connacht. C'est bien, mais j'en veux pas. Parce que le mec il est mort avant de faire des enfants, c'est ça? Et ben, tiens-toi. Je te donne ça. Et je te donne le duché qui va avec. Je te connecte. Et bisous, comme on dit. Maître espion est mort. Ouais, bah ouais, ça oui, du coup. C'est la merde. Persuader que les chats aident la malaise. Enfin, aider l'extérieur pour livrer les chats. Non, les chats ne sont pas acclamés. J'aime les chats. Non. Devenir fourbe. Ah, mais non, je veux pas devenir fourbe. Bon, bah. On va changer, hein. On peut pas. Et ben, voilà. C'est la merde jusqu'au bout. Mes chers amis, c'est la merde. L'heure est grave. Ouais, ouais, toi, ma soeur, casse-toi, parce que... La tronche de ma soeur, là. Bref. Ouais, oui, mais ça restait une bâtarde, oui, c'est vrai. Ouais, je me souviens de cette histoire. Ouais, elle sera très très bien là-bas, en tant que bohémienne. Est-ce qu'ils disent que j'ai trop de bûchers? Ouais. Attendez un titre foncier. Tiens, le duché de Kent. Et chez moi. Mais les hommes tombent tellement vite, quoi. D'hommes quoi, j'ai que des femmes quasiment. Ouais, mais il est homo et tout, lui il va même pas avoir de femmes. Ouais, lui il est français, il a 60 ans, putain, on dirait pas qu'il a 60 ans. 20 ans, allez, toi, on a parlé d'un titre foncier, le comté de Guette. Bah, je l'ai plus, ça l'a donné automatiquement à lui.
Oh, mais j'aurais pas dû lui donner à lui, il a déjà trop de trucs. Plein de sujets des chats ne cesseront pas. Une foule en colère prétendant que les chats sont porteurs de malheur et qu'ils ne pourraient pas errer dans les rues s'est rassemblée. Les chambres sont pour la plupart en bonne santé. La reine d'Aragon qui veut se marier avec Tybalt. Matrilénaire. C'est un coup à ce que je perde le truc. Non. Le nouveau chancelier, c'est lui. Usurper le titre du duché de Cornouailles. Un Hongrois qui a ça. Attendez. Alors oui, je vais l'usurper tout de suite. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'un Hongrois ferait avec ça? Non, mais ça va pas. On va le donner immédiatement à lui, le duché de Cornouailles. Note de nos offres. Ma tante. Pouah, vas-y. Ouais, c'est le bordel. Hein. Demande l'élimination de tous les champs, plus du remboursement de partie de l'impôt en compensation de ma négligence. Et... non, allez vous faire foutre. Je veux pas exterminer les chats quand même. Merde. Grave cela. Le Cornouailles est à toi, mon cher. Oh, il y a des tas de cadavres de partout. Le duc d'Anjou a évoqué le titre. C'est un bordel tous ces titres, je vous le dis. Oh là là là. La peste ravage l'Europe du Sud, merci, on a vu, ouais. Wouah. On m'en survit, jusqu'à quand? Dieu seul le sait. En général, faut pas que je trop parle, parce que c'est quand je parle que... on commence à se réduire un peu par là, mais avant que ça arrive chez nous... Ah, ça sert à rien de. Ça sert bien à quelque chose d'essayer de tout arranger, de faire en sorte que les duchés soient propres pour avoir ça derrière. J'ai plus de commandant. Je nomme personne pour le moment parce que ça sert à rien de toute façon. Ça recommence. Allez, un nouveau régent, c'est la fête des régents. Plus de maréchal, c'est la fête des maréchals. Des maréchaux. Ouais, tout est maréchal. Là honnêtement je me prends pas la tête hein, parce que ça... La duchesse a repris le titre de champagne. Ouais bon, on vous en êtes, allez-y hein, continuez hein. Non mais c'est pas possible, c'est lui encore là qui fait une révolte maintenant. Non mais il s'arrête jamais en fait hein. Profite que son roi soit faible pour qu'est-ce qu'il revendique, la tyrannie du roi. Ah bah de partout. Oh là 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 là. On a 13 ans, hein, c'est voilà, faudrait qu'on monte à pas beaucoup, mais qu'on monte, qu'on devienne au moins adulte, quoi. Oh, le bordel. Heureusement que j'ai l'hôpital, que j'ai fait un bon hôpital ici de niveau 3. Hein. Ça aide. Hein. Les croisés sont victorieux. Bah, bravo à eux. Ça me fait chier que lui il ait fait une rébellion dans la foulée là.
Je peux pas aider le roi d'Irlande. Hein. Ah si, je peux. On va faire ça, tiens. Faut que j'ouvre les portes. L'acheter. Aïe, 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 aïe. Non, tant pis, mais non. On va aller l'aider un petit peu. Enfin, je vais peut-être arrêter là l'épisode parce qu'il fait une heure. Donc voilà. Hein ? Allez, merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ouf, j'espère que vous avez bien apprécié. Moi, je me suis bien régalé en tout cas. C'était un peu long, je suis désolé, mais voilà. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, en espérant qu'on arrive encore à tenir 3 ans le temps de pouvoir changer les lois en Anatico Conatique, qu'on soit en paix, qu'on y régne 10 ans et qu'on n'ait aucune régence. Tout devrait se cumuler à ce moment-là, donc ça devrait être parfait si on survit bien sûr. Allez, des bisous à tous, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.